Bonjour à tous, je m'appelle Ourey Diaye et je suis la cofondatrice de Dream to Success. Alors bonjour, moi je suis Aïssa Touf et je suis Digital Marketing Specialist et cofondatrice de Dream to Success. Dream to Success, si vous voulez, c'est un double projet. En fait, c'est deux missions différentes. On a la partie du coup corporate qui vise à accompagner les entrepreneurs et des porteurs de projets tout simplement pour les aider à passer au next level d'un point de vue financier par exemple. Et on a la partie associative qui a pour mission d'interviewer en fait justement les entrepreneurs à succès, des personnes qui ont des beaux projets, qui ont des belles réussites, pour inspirer d'autres personnes à faire de même. Dream to Success, comme le disait Ourey, c'est avant tout une aventure à deux, avec deux casquettes différentes et double compétence. Donc aujourd'hui, on accompagne tous nos entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires et à développer leur visibilité en ligne, avec des séances de coaching, un suivi sur plusieurs mois et bien sûr une dynamique de fou avec deux entrepreneurs complètement, complètement motivés. Honnêtement, la soirée, elle était vraiment super. J'éprouve beaucoup de gratitude à Mohamedou parce qu'en fait, on s'est rencontrés lors d'un événement début août. Et de là, en fait, il nous a proposé tout simplement une collaboration. Dès qu'il nous a vus en fait, sur scène, il s'est dit « j'ai envie de travailler avec vous, il faut qu'on mette en place des choses ensemble ». Et aujourd'hui, même pas deux mois en fait, après cette rencontre, on est là avec Aïssatou en train de donner une masterclass du coup, sur la réussite financière pour les entrepreneurs. Et honnêtement, la soirée a été vraiment très riche en émotions, très riche en événements. On a eu un groupe vraiment qui était inspirant, dynamique, avec beaucoup d'énergie. On est vraiment très très contente en tout cas d'avoir pu animer cette masterclass. C'était vraiment génial. Alors Dina, quelle est ta perception sur le premier événement justement qu'on a co-organisé ensemble? Ça s'appelait Cercle Ami Business Networking. On se connaît depuis peu, j'ai presque envie de dire depuis des siècles, parce qu'on a énormément de points communs. Ta société conciergerie, donc HD Consulting, les miennes dès ma agence. Je pense que c'est deux forces qui sont réunies et qui montrent à tous qu'il est possible de s'unir, de ne pas se voir comme des concurrents. Quelle est ta perception justement de cette soirée qu'on a co-organisée ensemble et par rapport au public que tu as vu, quels sont les retours que tu as pu déceler? Alors, pour une première, je suis très satisfaite par le contenu, par les nombreuses personnes et intervenantes qui ont pu décrire leur parcours, leur expertise et aussi inspirer d'autres personnes qui étaient là. En regardant tout le contenu de cette soirée, je pense qu'elle a été plus qu'enrichissante. Donc pour une première, on est satisfait. Enfin moi, du moins pour moi, je le suis. Hein. Pour toi, je ne sais pas. Hein. On fera un point après. Mais je pense que c'est le début d'une longue aventure. Et j'en suis persuadée que...
en continuant, en donnant une continuité, ça peut aller, ça peut débuter, démarrer sur un concept plutôt innovant. C'est cercle d'amis, mais c'est mes amis, tes amis, les amis de quelqu'un d'autre, mais toujours avec cette même vision, cette même optique. On arrive justement à faire ce partage de connexion, cette expertise mutuelle, les expériences de chacune, s'inspirer. Et je trouve que ça, c'est une très, très, très belle initiative, une opportunité qui s'ouvre et qui se présente aux autres. Donc, j'espère qu'on ira très loin dans cette belle aventure. Pour conclure et pour reprendre tes propos, moi, j'étais effectivement très heureux de faire cette belle aventure avec Dina, parce que, je le dis, je le répète, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et là, on a prouvé à tous qu'ensemble, on construit des événements, on construit un réseau, et c'est surtout aussi, on apporte du contenu, de la valeur à des personnes, soit qui sont en phase de démarrage, qui se cherchent, qui n'ont pas forcément les outils, la méthodologie, et c'est surtout aussi inspiré. Donc on a eu énormément de parcours de femmes inspirantes dans leur domaine d'expertise, qui ont à cœur de partager aussi leur expertise, leurs compétences, leurs talents et leurs réseaux. Donc pour résumer, venez nombreux à la prochaine édition, parce qu'on en fera d'autres, c'est la première, et on compte vraiment sur vous. Donc le Cercle Ami Business Networking, c'est un événement qui est co-organisé par HD Consulting et DEM Agency, et c'était vraiment une fierté et un honneur, et surtout aussi de voir le retour que font le public, justement, d'aller de l'avant et de le faire encore ensemble. Donc à très vite, et on vous attend encore nombreux pour les prochaines sessions. À bientôt, compte sur vous.